Je fais des vidéos aussi. Je suis à Lyon avec Steve et Mins. Merci de m'avoir fait découvrir Lyon. Et là, on mange asiatique comme d'habitude, les valeurs sûres. Et on a mangé des frites tout à l'heure, mais j'avais la flemme de filmer parce qu'on était dehors. Ouais, ouais. Bonjour. Salut Andrew. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Salut Mathis. Salut Ads avec tes cheveux. Salut, salut les gars. Zek et Zek et Mathieu, pardon. Maxime. André. On est là pour gagner. Voilà, c'est ça. On dit ça au début, puis ça se trouve à la fin, voilà. Mais non, on va gagner. Avec un entraîneur comme moi. Tu vas faire la vidéo quand on gagne. Impossible. J'enlèverai cette partie si vous perdez. Non. On est grave des gros. Comme d'hab. Premier jour à Lyon pour un match. Est-ce qu'ils voulaient mettre de la musique là maintenant? Match, mais quoi? Bon appétit. Bon appétit. Ouais, je vois bien ta coupe là. Bon appétit, Hat. Bienvenue au mois d'avril les amis. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait vraiment de facecam et que j'ai parlé, étant donné que si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez sûrement dû voir que j'ai fait une vidéo assez spéciale pour le mois de mars. Mais en tout cas pour le mois d'avril, je vais continuer à essayer d'innover un peu mes vlogs parce que j'ai vu que ça vous a beaucoup plu. J'ai commencé le vlog directement
par rapport, enfin, en étant en vacances à Lyon. Donc c'était un petit séjour de 3 jours avec mes potes malgaches. Ça s'est super bien passé. Le temps est passé tellement vite que j'ai même pas pu vraiment parler. Là, le mois d'avril s'annonce assez en rush puisque en même temps il y aura les partiels. Donc pour le blocus qui continue, qui est illimité, on aura quand même des partiels à faire, mais souvent en ligne. Je vais quand même beaucoup bosser tous les jours à la médiathèque. Là, aujourd'hui, il me reste 3 heures de stage, plus la semaine prochaine, 3 autres heures de stage, et j'aurai fini le stage. Et à côté, ben, je continue à postuler pour un job, parce que je cherche absolument, absolument à trouver un job, que ce soit à Montpellier ou à Bordeaux, ou même en Bretagne, chez un pote. Enfin, voilà, je suis en mode grave active. Mais voilà, j'espère quand même que ce mois-ci va être intéressant et plus dynamique, peut-être moins déprimant que le mois dernier. Voilà l'histoire de ma vie quand j'essaie de cuisiner avec les restes du frigo. En mode du riz, un peu de sauce épicée, des oignons et une omelette. Riz frit et omelette. Lol. Devant YouTube. Fait grave beau. Après, je vais aller à la bibliothèque. Je suis en stress total parce que aujourd'hui, je vais donner mon premier cours à des quatrièmes et à des troisièmes pour le stage, pour finir le stage. Une petite mise en situation. Mais waouh. Je sais pas, j'ai trop peur. Je suis prête 20 minutes à l'avance. Avant de voir le prof, et carrément 40 minutes avant le cours, là. Hein. C'est vraiment le stress total, les gars. J'espère que tout à l'heure, quand je rentrerai, j'aurai quelque chose de positif à dire. Je croise les doigts. J'ai réussi! Wouhou! Oh là là, ça y est, c'est enfin fini ce stage. D'un côté, je suis un peu contente que ce soit fini parce que des fois, il y avait des jours, j'en avais un peu marre. Mais d'un autre côté, je suis vraiment triste aussi que ce soit fini parce que. C'était vraiment des belles rencontres, surtout mon prof et surtout les élèves, ils sont trop choux. Et à côté, ben, le cours là, il s'est super bien passé, les deux cours, ils ont été super sages, super respectueux. Enfin bref, je suis vraiment heureuse d'avoir vécu cette expérience et j'en perds les mots en fait. Là, c'est un peu l'émotion, je suis rentrée un peu rapidement. C'était beaucoup plus riche que ça en fait, comme expérience. C'est vraiment ma meilleure expérience professionnelle. Non seulement j'ai assisté le prof, mais en plus j'ai aussi participé, j'ai donné quelque chose, je leur ai appris quelque chose. Ils étaient super dynamiques, ils étaient super enthousiastes. Enfin, ça s'est vraiment passé super bien. Il y avait plein de moments où je stressais, vous imaginez pas. Hein. Je stressais parce que je me disais, ah, je sais plus quoi dire, ah, je sais pas s'ils vont m'être concentrés ou, ah, bon, bah, c'est tellement évident que j'y arrive pas. Et en fait, finalement, bah, j'y suis arrivée, quoi. Donc voilà. Je suis vraiment heureuse. Merci à tous, je vois que vous venez de plusieurs endroits du monde. En France, Madagascar, Canada, La Réunion, Belgique, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Maroc, Corée du Sud, Indonésie, Côte d'Ivoire, Inde, Algérie, Irlande, Singapour, Espagne, Émirats Arabes Unis. Bon. Après, tout est relatif, mais Coucou! merci, merci. Joyeux anniversaire, Manon! Merci! Elle est trop belle. Bon appétit! Salut, Pierre-Louis. Salut! Merci Andrew. De rien. Ça va bien? Ça va très bien. Tu n'as pas encore parlé depuis que je suis arrivée. Peut-être parce que tu n'as pas filmé depuis que tu es arrivée. En effet. Bon, j'ai oublié de filmer, c'était pas très intéressant, mais je filmerai les prochains jours, demain et après-demain. Salé, après on passe au dessert. Là, ça béoule la baie. Comment tu te sens? Ça va, c'était bon? C'était très bon, t'es rassasié ou pas encore? Ça va, t'as toujours de la place. Ouais, moi c'est un peu chaud là, c'est un peu chaud. Super bien mangé et maintenant on va aller dans un centre commercial.
commercial. C'est ouf. Pour fêter Pâques, nous le fêtons 2 semaines après Pâques, quoi. Voilà. T'es fatiguée ou quoi? Fatiguée de notre petite visite. Ce genre de petit goûter avec une belle vue. Ce bus est à destination de Montpellier, le terminus. Coucou! Je suis officiellement en vacances et j'ai passé mon dernier partiel tout à l'heure. Comment c'est les vacances? On a graffé nos grosses. Encore ça va, hein, ça va. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao.
fini jusqu'à Vendargues. C'est loin de ouf. Non, en vrai, ça va. Ça va. Ouais. Ouais, on a fait vite. On a mis même pas 30 minutes en vrai. Ouais, ouais, ouais. En fait, on a pris le tram plus le bus, un super bus climatisé. Et après, on est arrivé. Et là, on attend le bus pour le retour. Voilà, sauf que le bus, le prochain, il est dans 43 minutes. Donc peut-être qu'on va se balader ou je sais pas ce qu'on va faire. On sait pas ce qu'on va faire. On va trouver des lapins dans la rue. Les lapins ont quitté la maison. Et donc, ils sont maintenant dans un foyer, dans un refuge animal. Donc, c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt une ferme, en fait, qui recueille différents animaux. Donc là, il y a les deux petits lapins. Ils sont avec un lapin bélier et aussi avec des poules et des tortues. Enfin, c'est super marrant. Et ils vont super bien, je pense. Ils vont être bien là-bas, surtout. Maintenant, je suis toute seule. Mais en même temps, j'étais contente de régler ça vite parce que je vais bientôt aller à Bordeaux. Je vais beaucoup faire des allers-retours entre Montpellier et Bordeaux. Je vais vraiment beaucoup bouger les mois à venir. Donc c'était mieux et plus raisonnable de déjà les laisser partir dès maintenant, sachant que je pouvais pas les emmener ailleurs. À vrai dire, je suis un petit peu... Je suis à 50-50% là, c'est ce que je disais à mon cousin, c'est-à-dire qu'à moitié je suis triste parce que c'était vraiment des animaux super mignons. Bon, il y a eu des hauts et des bas, hein, mais c'était vraiment des animaux très tranquilles, très calmes, à qui je me suis attachée et qui faisaient une présence. Et en même temps, d'un autre côté, je me dis que c'est vraiment bien pour eux et pour moi que nos chemins se séparent. Et je sais que plus tard, en fait, j'aimerais bien avoir encore un lapin ou des lapins, plutôt des lapins béliers cette fois, ça sera un peu plus douillet et mignon et doux. C'était une belle aventure et je suis contente d'avoir pu déjà montrer ces animaux de compagnie, les premiers dont je me suis occupée toute seule à 100%. Bon, j'ai évidemment été aidée beaucoup par beaucoup de mes amis, heureusement, mais je veux dire, je m'en suis occupée toute seule comme une grande, c'est-à-dire que c'était pas des animaux de la famille, mais c'était juste les miens. J'étais contente d'avoir vécu cette mini-expérience et j'espère que plus tard... j'aurai d'autres animaux de compagnie, en fait. Mais quand je serai plus posée. Grand prix de printemps en perspective. Avec déjà tout ça à jeter et à donner. Et j'ai même pas encore commencé la bibliothèque et mes affaires. Vie de littéraire. Salut Ubi. Yeah, bless it. Oh là là. En vrai, on mange thaïlandais. J'allais dire thaïsien. Ouais, thaïlandais. Ça reste au thaï, quoi. Ça va, Sun? Ça va, les fans. Les fans. Infinity War et je suis juste choquée, le film était extraordinaire. Donc si vous l'avez pas encore vu, alors que ce vlog sera posté en début mai, et ben courez le voir, courez, vous n'êtes pas prêts. Sinon ici tout se passe bien, on est un peu en rush parce que on a beaucoup de choses à faire, mais bon voilà, je vous raconte pas tout ce qu'on fait, faire les courses, faire des achats pour Ubi et tout, donc c'est pas super important. Behind the scenes de Ubi Polar ou de Opium ou du community manager de Hype Mada. Hello Twins. Club.
Yeah, on va au club. Super hype, super fancy avec nos lunettes de soleil alors qu'il fait nuit. Come on.